Bon, du coup, on se retrouve finalement, vu que j'ai perdu la deuxième partie, sur la dernière carte, donc la rizière. Excusez-moi. Avec moi, avec des... Je voulais pas retenter l'entente blindée, c'était trop mal placé. Et puis sa carte serait pas super, donc je me retrouve avec The German Mecha. Allemagne plus Pays-Bas mécanisé. Un deck qui est plutôt puissant, il faut le dire. Contre en tant que généraliste, donc ça m'a l'air assez équilibré. Je pense pas que là où moi j'ai un énormissime avantage. Ouais, je pense pas que c'est très très déséquilibré. Il me semble ok. Et du coup. Je sais pas forcément du côté que je voulais, j'aurais préféré être là. Parce que golf est difficile à garder en tant que mécanisé. Je tenais une infiltration de ce côté là, mais je sais que Razman m'a déjà vu faire ça plusieurs fois, donc je sais si ça va marcher. Oui, peut-être je vais envoyer un MX 13 FL. J'ai un peu de puissance. Il joue avec un FOB et de l'artillerie, donc attaquer bravo, ok c'est bien, mais ouais, c'est un très gros mais. Il faut pas que je me fasse bloquer trop longtemps, parce que si je me fais bloquer lors de l'attaque, enfin si on piétine tous les deux en fait, l'attaque elle commence à être longue, et bien il va vite prendre l'avantage. Ce qui serait évidemment très très gênant. Donc, du coup, va falloir jouer. On va plutôt mettre 4 Mardeurs et c'était que ça. Alors éviter de se prendre des tirs d'artillerie. L'artillerie elle tire d'assez loin, mais si le truc qui serait vraiment parfait serait que j'arrive à prendre position bravo, parce que du coup j'ai là et là, il peut pas bombarder en même temps et c'est de la forêt en plus, donc très 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 bonne position à avoir. La question c'est est-ce que j'arrive à contrôler golf en même temps. Je pense que je vais peut-être lui faire un cheese, enfin vous voyez cette unité et le Peace Rhine. Sniper une DCA et là du coup je peux envoyer un escort juste après. En tout cas, ça s'annonce assez compliqué. Au pire, si de toute façon, j'ai eu rien à bombarder avec avec mon Peace Rhine, que je jette pas pour l'instant, du coup, évidemment. Ben, soit parce qu'il met un chasseur dans les airs, donc évidemment, je peux pas bombarder, soit parce qu'il y a trop de DCA, soit parce que tout bêtement, il attaque pas sur Foxtrot. Dans ce cas-là, je pourrais soit envoyer un BC sur Hôtel, donc ça, c'est l'option de défense. Enfin, plus défensive, soit option agressive, j'envoie le pâté sur Bravo. Ouais, je pense que je vais faire ça, garder un peu de sous en supplément. Mais ça, parce que peut-être que j'en aurais besoin du coup. Ce côté-là aussi, c'est pareil, c'est pour faire des lignes de side shot ici.
Positif arme, start mode. Irgendwelche Kunden für eine Taxitour? Ok, donc il envoie un M17 ici. Je sais pas, non, je pense pas que ça vaut trop le coup. Dans les clous, je vais plutôt envoyer juste un Stinger. Je vois bien qu'il défend là, ok. Bon, donc, je vais du coup envoyer un PC. Non, non, mais par contre, te fais pas bloquer toi. Oh là là, espèce d'unité de merde quoi. Et du coup j'arrive à sortir les deux bonnes troupettes, ça c'est vraiment cool. J'arrive à envoyer les deux troupettes au bon endroit. Faire survivre ce qu'il faut. Putain, il envoie déjà l'artillerie. Ouais, je crois que là c'est un peu trop tôt. C'est peut-être même mieux pour moi entre guillemets qu'il ait fait ça, parce que du coup, enfin, je veux dire, une artillerie comme ça dès le début de la partie, enfin, voilà quoi, c'est pas, ça me gêne pas du tout, mais il bouge tellement de trucs là, c'est très très dangereux, j'aurais peut-être dû détruire, j'aurais peut-être mieux dû être plus agressif. C'est bon signe pour moi. Je sais pas trop quoi faire avec mon arme. Je crois que je vaut mieux que j'envoie des petites troupettes là. Et on va mettre le pâté là. Je crois que définitivement c'était une erreur de sa part de partir comme ça avec. On attaquait de manière aussi violente sur cette zone là parce que là. C'était pas. Enfin. Je veux dire, j'avais pas risqué de gagner la partie sur ça non plus. Oula, oula, par contre il me touche mais ça c'est vraiment très 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 mauvais. Très bien qu'il se détruise l'espace de Banshee là. Ouf, oh non dommage. Dommage que celui-là je l'ai pas eu. On va envoyer de l'infanterie. On va y avoir juste une unité ici. Oula, non, 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 non. Oh putain, j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de chance que... Tout qui passe mal pour lui, mais... Je pense que j'aurais pu vraiment être puni assez violemment.
Le truc, c'est qu'il faut vraiment à tout prix que je garde bien enterré mes mes unités. De cette putain de ce putain de M17, je crois vraiment que je vais acheter un Stinger parce que ça bosse. Je pense que là c'est trop gênant. Là, ouais, je vais forcément perdre mon. Allez, c'est à très très peu de chances qu'elle survive. À moins qu'il détruise le blindé. Non, il ne fait pas le blindé. Ok. Il y a toujours les autres troupes qui sont en vie. Ça, c'est une bonne nouvelle. Du coup, ils vont bien pouvoir continuer leur route. C'est pareil pour les nâtres. L'infanterie qui est là devrait être en vie, mais c'est pas trop gênant. Oh là là, oh là là. Ça, par contre, ça ne me plaît pas du tout. Ok, là, le tir d'artillerie me fait pas grand chose. Il commence à partir sur les avions là. Oh putain, il a pas de chance. Et c'est pas trop grave. Hein. Faut juste que j'arrive à éviter de trop perdre de trucs, mais tant que j'ai ce contrôle de cet endroit, c'est pas trop grave. J'ai perdu par contre beaucoup de troupes ici. Oula, non. Oh, ça vraiment c'est cool là, il a un peu envoyé son super galeb à l'arrache. Qui du coup va forcément... Enfin là c'est quasiment sûr qu'il meurt, à moins qu'il ait une chance incroyable. Non évidemment ça, faut pas non plus exagérer. Il faudrait que j'arrive à détruire ce tank en fait, et j'arrive pas à le trouver le bon angle de vision. Il a réussi à isoler mon support, mais bon, au moins il y a toujours les unités qui sont en vie, mais c'est quand même inquiétant parce qu'il a. Disons qu'il a des choses qui sont très résistantes dans la durée. Ça pourrait me poser problème. Oh là, par contre, il fait une petite erreur là d'envoyer tout dans l'ouverture.
Je vais arriver à faire mal avec un Psyne. Ok. Sinon je peux me détruire la dessert, hein, c'est pas. Ça aussi ça vaut le coup. De jouer avec énormément de. De support. Et ça marche plutôt bien pour lui. Pour l'instant. J'ai détruit, je crois, absolument tout ce qu'il avait là. Faut que je vais tester, mais c'est bon qu'il a vraiment tout perdu. Donc, ah oui, évidemment, il y a. Ah, quoi que j'aurais peut-être pu le détruire si j'avais envoyé mon Strain plus tôt, mais bon, c'est pas. Oh grave, non je crois pas que ça va rester. Quoi? Ouais. Non. C'est trop grave. Ouais, j'ai bien tout. On va mettre la TGM là. On va bouger le Stinger aussi. Il faudrait que j'essaye de voir si cette zone est prise. Mais normalement, ça devrait aller. Donc, il a lui aussi envoyé un chasseur. Et c'est là qu'il est sur le plateau Gadra. Ouais, allez, si on va bombarder. Je pense qu'il est déjà, trop commit en fait. Bon. Oh là là. Celui-là il touche, au moins c'était plus. On va dire que c'était plus important que lui touche que l'autre. Parce que lui c'était. Lui il gênait ma ligne de ravitaillement, c'était beaucoup plus dangereux. Et en plus finalement le pistolet il a survécu donc pas. Non. Tiens il bombarde ça. Ah ouais. Ah ouais, ok. Ok, c'est. Moi je m'attendais pas, je pensais pas qu'il allait bombarder cette zone. Ok, si j'ai juste un petit sign, ça peut le bloquer. Oula, oula, il a deux bons, il a deux chasseurs. Ça c'est dangereux. Aïe aïe aïe. Oula, je peux. Bon, j'ai un échange, donc c'est finalement pas mauvais. Un échange alors que franchement je pense que j'étais vraiment en train de faire de la merde, je l'avoue.
crois qu'il n'y a pas beaucoup de décès, hein. Vraiment même très 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 peu. On va tenter le speedrun. Si, il faut absolument que j'aurais... Enfin, faut pas absolument, mais ce serait bien que j'arrive à réparer mon infanterie pour... Ah bon, j'ai perdu mon site. Ah, ça c'était con. Bon. Ça n'avait rien détruit. Quoi? Mais comment il se mange les dégâts là? C'est... Ouais. La situation elle commence à être de mieux en mieux parce qu'il a... Merde, par contre j'ai perdu cette roue quoi, ça c'est vraiment con. Peut-être qu'il faudrait mieux envoyer une blindée. Il faudrait aussi que je reprenne le contrôle des airs. Alors reprendre le contrôle des airs, c'est pas non plus... J'ai besoin de le contrôle total, j'ai juste besoin que... d'avoir de quoi l'embêter quand il tente d'empêcher mes bisrines de passer. C'est juste ce qu'il me faut. Allez, yes, ça c'est génial. Ça va tellement le faire chier. Et maintenant je pense que je peux envoyer un baisser. Parce que là il a plus grand chose pour me gêner. Il peut faire des tirs d'artillerie, ouais. Mais est-ce que ça peut détruire un baisser? Ben rien de tir d'artillerie, non donc. Ça va... Peut-être là. Peut-être qu'il me gênait en bombardant, mais... Ouais, il n'y a rien pour bombarder. Donc ouais, ça devient de mieux en mieux en fait. Mais je crois que je suis... que je suis en train de la gagner cette partie, parce qu'il a... Certes, le rythme de jeu se calme énormément, mais... J'ai pris les positions clés au début de la partie. Ce qui fait qu'au final, ok, il peut faire des tirs d'artillerie, mais oh, Razman. Au final, ça n'a pas joué énormément, donc je vois le Mi-17. Ah, mais non, en fait, non, il est pas en train d'infiltrer, en fait, il veut poser des troupes là. Ok, c'est super étrange comme envie. On va envoyer tout les Peace Rhine et tout. Parce que du coup, s'il tente de contrer ça... On va pas tous les envoyer non plus. Mais... Ok, le petit mitraillage qui passe. Il va peut-être tenter de me punir. Oh putain, ça prend, c'est... Mais après, il peut tirer qu'un missile normalement avant que je m'enfuis, voire deux. Ouais, non, voilà, juste un. Et c'était pas... Enfin, c'est clairement pas suffisant. Vous pouvez pas punir un joueur parce que... C'est pas suffisant pour me punir, donc... Ce que j'aimerais, ça serait arriver là à un peu consolider ma position parce qu'elle est... J'ai une petite présence, mais elle est... Elle est ridicule.
Ça vaut pas le coup de suicider là. Le temps que je me cache dans la fumigène et on verra. Il arrive à nouveau à me déloger de là-bas, mais je pense pas non plus que c'est trop gênant. Le truc, c'est que j'ai toujours cette position extrêmement embêtante pour lui. Ici, sur Bravo, et... Ouh, ça c'est pas compliqué. Ah, merde, ça par contre, ça... Ça picote. Ah non, je vais voir les cacher dans les fumigènes, mes troupes. Ah, il joue beaucoup avec les hélicoptères, j'ai remarqué. Il compte gagner enfin détruire mon surplus d'infanterie que j'ai comparé à lui grâce à des hélicoptères. Mais jusqu'ici ça n'a pas trop marché parce que... Ah merde, par contre ça c'était con. Oh non, oh le con. D'accord, là ça me plaît pas, il commence à récupérer des zones. Bon, ça c'est bon, au moins j'ai eu ce kill et ça a surtout me donné une véritable voix. Je perds beaucoup d'infanterie ici, mais c'est... Ça passe parce que... Oh, j'en ai énormément. Faut que j'arrive à faire évacuer par contre mes troupes. Faut vraiment que je batte en retraite sans trop perdre d'unité. Et là, normalement, la prise de cette... Cette zone là, elle devrait être... Et attends, mais j'ai la vision là. Non, ça va. Ah,
truc aussi, c'est que j'ai un... c'est qu'en fait son éoimite émité là je peux le voir en fait. Donc là je faudrait que j'arrive à trouver un moyen de le faire tirer. D'ailleurs j'ai pas envoyé un avion comme un con, mais bon, oui, ce sera un moyen, mais ce sera un peu trop cher, on va dire. Il a bombardé mon tank de commandement. C'est pas cool du tout ça. C'est pas gentil, mais ça va, non, je vais avoir à prendre position et surtout là je vais arriver à le. À la prendre ici. J'ai envoyé un PC. Oh non, 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 pourquoi t'as raté ton tir? Maintenant j'ai envoyé un PC là-bas. Oula, non, 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 non. Tu te fous de moi? Tu te fous de moi? 50% de précision? Oh là, et moi 86% de précision, ça ne marche pas, non mais. Oh là là, le foutage de gueule quoi. Mais bon, c'est le truc, c'est qu'en plus j'ai détruit son tank ici, donc là, normalement je sais qu'il y a plus de danger. Ouais, non, on va pas descendre, pas gâcher une bonne position. Enfin, le Stinger arrive à toucher. Et celui-là aussi touche, ça c'est cool. Je vois qu'il a... Ah non, il n'est pas capturé. Il a neutralisé, mais... Là... Peut-être qu'il va pouvoir l'avoir. Alors ça c'est pas cool. Ah j'ai des chances hein. Ouais. On va envoyer ça là.
Et maintenant, je peux envoyer un PC sur Golf et... Ça devrait aller... Oh, j'avais détruit son truc. Ah, il esquive encore son... À nouveau des hélicoptères qui devraient normalement pas faire de mal. Là, son BC est protégé, mais... Oh, par contre, il pourrait m'aider à le détruire, ça serait vraiment pas cool. Mais j'ai envie de dire, ayant la fumigène, normalement je devrais arriver à l'atteindre quoi. Je le mets là, suite à l'attaque là. Et je le prends complètement quoi. Oh non, tu te fous de moi! Je sais pas si mon mardi est capable de faire ce mouvement là, mais oh non, oh là là, on va quand même retenter parce que il y a son PC. Non, faut que je remonte dans le. Enfin, faut qu'il remonte dedans. Et ouais, j'ai réussi à détruire son PC sur Foxtrot. Parce qu'il avait fait une attaque un peu désespérée. Du coup, je me suis douté que c'est pas très plausible qu'il ait derrière encore des troupes. Enfin, son attaque c'était tellement une attaque de la dernière chance que semblait clairement être les derniers vestiges de son armée. Et du coup, bah, comme il n'y avait plus rien à côté, ben, je devais essayer si on suffit à prendre la position. Ouais, donc là j'ai le bâtiment, j'ai le plus 1, même bientôt plus 2, même plus 3. Ouais, j'ai gagné, ça a été long et compliqué, mais... Mais je crois que c'est gagné maintenant. Il y a son tank qui se bat bien, mais normalement je devrais arriver à le 20, quoique. Quoique. Ah. Bon. Il a eu un peu de chance, mais ça devrait. Disons qu'il a trop perdu. Attends. Yes! Bon, du coup, j'ai réussi à vaincre. Vraiment, ça a été très très compliqué. Autant la première partie, je l'ai écrasé. Enfin, je suis pas écrasé, je gagnais très très vite. Autant la deuxième, bon, il a eu un peu de chance, puis aussi, voilà, il a eu le bon côté. Enfin, je sais pas, il a pas eu le bon côté, mais il m'a détruit mon artillerie. Il a détruit un PC en infiltrant, et du coup, il a finalement remporté la partie parce qu'il avait de l'artillerie et un FOB, et moi, j'en avais pas. Du coup, ça a été très très. Très à son avantage, on a l'impression que je pouvais pas me défendre, et autant la dernière partie, ben ça a été très très ça a été pas très très équilibré, mais c'était assez équilibré. Il pouvait s'en sortir parce qu'il y avait toujours l'artillerie qui était toujours embêtant, toujours dangereux. Il y a eu des moments où il m'a fait peur avec son Evamite, mais au final j'attaquais un peu de tous les côtés. Il a tenté un peu désespérément de pousser, d'acheter quelques bombardiers, mais ça n'a pas marché. Et puis il avait beaucoup d'hélicoptères qui finalement n'ont pas fait tant de dégâts.
Enfin, disons qu'ils m'ont fait des dégâts, mais je pense que pour leur prix, ça ne valait pas trop le coup. Disons que ça m'empêchait de sortir de la forêt, mais est-ce que c'est vraiment important? Je veux dire, ok, il m'empêche de sortir de la forêt, mais ça n'a pas réussi à détruire mes infanteries. Et aussi, évidemment, les agents qui ont fait un véritable massacre, les Pistrangs, c'est très 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 chiant à jouer contre ça. Et bah, vous avez vu, ça a fait un massacre, quoi. Ce Pistrine monstrueux. Je prends même en photo, il est. Oh. Il a tout détruit. 3M84AN, 1M84A et 2DCA. Aussi, mes avions qui ont plutôt bien géré, mes DCA qui étaient assez puissantes aussi. Ouais, donc du coup je vais aller du coup jouer dans je crois c'est quart de finale ou semi-finale et je sais pas qui c'est parce qu'on n'a pas eu les matchs n'ont pas été joués encore. Et ça sera dans environ 2 à 3 semaines. Donc je vous attends d'ici là.